Salut Keishu, salut Léa, salut Ashkao, salut Altrix, salut Scarcrow, salut Roxane, salut Amlos, salut Evangeline, salutations la part de gâteau. Est-ce que vous vous souvenez de Araya? Un jeu d'horreur que j'avais fait il y a quelques mois. C'était un jeu, je sais plus. Un jeu japonais, je sais plus. C'était pas un jeu français en tout cas. Tu joues pas The Evil Within 2, tu vas le faire en let's play. Alors, j'ai acheté The Evil Within 2, mais le jeu sort le 13 octobre. Donc vendredi 13. Et on est mercredi. Donc c'est un peu logique que je peux pas y jouer vu que le jeu n'est pas sorti. Et j'avais fait la démo d'ailleurs. J'avais fait la démo de ce jeu sur YouTube. Il y a pas mal de temps. Et ils sont enfin décidés à sortir le jeu complet. C'est parti donc pour Home Sweet Home. Alors est-ce que je vais en faire un let's play? Je sais pas les crows, on verra. On verra si ce jeu est bien. En tout cas la démo j'avais bien kiffé. Donc logiquement il devrait pas y avoir de mauvaise surprise avec le jeu final. Il y a juste une petite chose par contre qui me dérange. C'est que le jeu est assez mal optimisé. Va y avoir quelques ralentissements. Ça vient pas du tout de ma config. Hein. Ça vient du Jean lui-même. Donc voilà, on va essayer de croiser les doigts. Babe, wake up. It's late, huh? You have to wake up. Le jeu est en anglais, les crows. Getting up. Jane? Oh, last night was way too much. Where the hell am I? Ok. Très bien. Bon, on commence. Alors, un truc, je vous préviens, le début du jeu c'est la démo, donc je connais déjà les 20 premières minutes. Je connais à peu près vu que j'avais fait la démo. Et la démo c'était tout simplement le début du jeu, donc... Let's go! Bon, à vrai dire, je m'en souviens à 50% en vrai. Vous voyez? Il vient d'avoir un ralentissement là. Du coup, on sait pas trop où on est. Ah, je m'en souviens de ça. Allah wa ma. C'était énorme ça. J'avais eu peur la première fois. Roomke, très bien. University student reported missing. Une étudiante est portée disparue. Une étudiante d'une fameuse université de Bangkok a mystérieusement disparu depuis maintenant 2 jours. Le journal a reporté que... Ah, elle devait rentrer chez elle après... après, je sais pas, après un cours. Un truc du genre. Find a way home. Trouver un moyen de s'enfuir. Un mal de ventre. Ah, oh putain. Hey you. Hey you. Find a girl to ask an exit. Tu t'es caché là-dedans, saloperie? Soit qu'elle est descendue. On y va. Oui, c'est un mal de ventre, ouais. Ok. Salut Joker. Bon, j'espère que la qualité est bonne. J'essaie d'augmenter un peu la qualité des lives en espérant que la connexion tienne. Vous me dites, hein. Mais là, logiquement, c'est plutôt propre. Oh putain, regardez. Ça fait combien de temps que le live a commencé? Ça fait 5 minutes, même pas. Oh putain. Where did she go? Where did she go?
Behind the door. Ok. La qualité est parfaite pour le moment. Hey, hey. Ça veut dire que j'ai fait du bon boulot. Et ça c'est bien, ça on apprécie. Regardez. Cette femme fait du 51 de pointure. Très étrange. Le nom du jeu c'est Home Sweet Home, un jeu thaïlandais. Oh, je suis désolé. Oh, there you are. Miss. What the fuck? C'est le moment de se barrer. C'est le moment. C'est le moment. C'est le moment. C'est le moment. Oh, heureusement que je m'en souviens. Heureux. Oh. Je me souviens que dans la démo j'avais sorti une connerie à ce moment-là. Et je sais plus quoi. Du genre elle pisse sur le mur et elle rentre dedans, je sais plus. J'avais sorti une grosse connerie à l'époque. Danger must get out of this place. Ah bah c'est une bonne idée ça. Oh là là, encore une. Wow. Encore un ralentissement. Ok, 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 ok. Fermé. J'aime le bruit du cutter. Ouais, c'est vrai qu'elle a un cutter dans les mains en fait. C'est marrant. Ok, on a chopé une pince. Et il y a un rire bizarre là. Oh merde. C'est le moment de courir! Vite! Vite! Galère bien Toshi et achète du souffle pour ton perso. Merci, merci Romy, merci beaucoup. Merci. Achète du souffle pour ton perso. Je sais pas où on peut acheter ça, mais. Ok, bon. Des chiottes! Putain, je me souvenais pas qu'on pouvait. Oh, d'accord, on peut se cacher là-dedans. Ah, ça, par contre, tu vois. Ça, j'avais totalement oublié. Bon, on continue. Ok. Ce qui est bien dans ce jeu, c'est que ça commence direct. Y a pas de. Tu te fais pas chier, quoi. Tu commences, c'est déjà le bordel. Oula. Y a quelqu'un à la 103 qui se sent pas bien, là. Faudra lui mettre un seau devant sa porte. Putain, je viens de l'avoir rentré là-bas. Ok, donc ici, il faut un pied de biche. Je pense savoir où il se trouve. Ok. C'est là. Et forcément, la voilà. Elle vomit du sang. Elle vomit du sang. On va y aller lentement. Hein. Dès qu'on entend le cutter, c'est pas trop bon, hein, les creuses. On se méfie. Quand il y a le bruit de cutter, on reste caché. On y va. On dirait un chat qui vomit. Allez, rentrons là-dedans.
Bon, je vous avoue qu'à partir de là, je me souviens plus vraiment de ce qui se passe. Hein. Danger must get out of this place. Danger, il faut partir de cet endroit. Oh! Araya is back! Strange looking dolls. Ah, c'est deux, on dirait deux êtres qui se chérissent. On continue. Ici, on a un casier, on fait gaffe. Merde. Bruit de cutter! Ça a l'air good. On y va. Ok, c'est bon. Ouh, c'est moins une. Hein. Un peu gluant, mais appétissant. Ah, si tu trouves ça appétissant, c'est qu'il y a un problème. Hein. Même lui, il aime pas. Ok, c'est ouvert. Parfait. Encore un casier. Ici, il manque un fusible, je m'en souviens. Là, ça a pété. Ça a pété. Voilà, je l'avais dit. Ok, c'est bon. Je m'en souviens. Et le fusible se trouve dans cette pièce. Oh putain, il sort vraiment des murs, c'est énorme, regardez-moi ça. Putain. Oh là, l'animation qu'elle a, c'est vraiment bien foutu quoi. Dégage! Dégage! Elle est trop bien faite. Ok, donc elle est rentrée dans cette pièce. J'entends encore ces bruits de pas, j'attends. J'attends qu'on l'entend plus. Oh putain, son bruit de cutter là. Je vais en rêver cette nuit. Ok, c'est bon, elle est là. Je me demande si elle est aveugle. Est-ce que si je mets ma lampe... Elle va me voir. Oh putain, elle est juste là. Je me souviens que j'avais galéré à ce passage, putain. Reste tranquille. Tu veux pas te l'enfoncer dans la gorge, ton cutter? Au moins, l'histoire se finit bien pour moi, quoi. On est plutôt bien là. Putain, first try. Non ! Ah ! Mais quel... Je suis con. Oh le con ! Ne jamais allumer une putain de radio dans un jeu d'horreur. Oh.
No Zainai, Kezai, no Rainai. Par contre, quand on l'arrête, elle ne vient pas. Ok, bon. Maintenant qu'on a le fusible, il faut qu'on retourne au point de départ, les crozes. Elle arrive. Putain, viens pas ici, s'il te plaît. Viens pas ici. Je crois que c'est bon. Je sens pas. J'aurais pu y aller en fait. Oh là ! On y va. Hop, 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 hop. Oh ! Oh ! Oh putain ! Vite! Go! Go, 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 go! Ah, et la démo s'arrêtait là. Oh putain, je me souviens. La démo s'arrête là, les crozes. C'est quoi ça? Roller Master amulette. J'ai chopé une amulette. Attendez. Il se passait pas ça dans la démo. Bastard, damn it, come on! Oh putain! Allez! Allez, 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 allez! Vite! Au cours! Au cours! Allez, juste derrière moi! Non! Non! Oh putain! La saloperie! Cours! Mais cours! Boulet! Vite! La démo s'arrêtait là. Oh putain, la démo s'arrêtait là. Ok, c'est bon. Donc à partir de maintenant, les crozes, je ne connais plus du tout le jeu. Totale découverte. Je me souviens qu'à la fin, on avait eu un screamer. Là, on l'a pas eu. Et la démo s'arrêtait vraiment pile poil ici. Du coup, j'ai hâte de voir ce qui va se passer maintenant. Fin de la démo, c'est ça. Le Rec Bersker! Et paf, ça fait des chocs à pic! Merci, merci le Rec! Merci beaucoup! Merci. Et on continue. Est-ce que je dois répondre? Non? Ok, c'est bon. Hey Tim, it's Dew. What's up with you, man? I haven't seen you in ages. Hope you're doing well. Call me back so I know you're not dead. Alors, est-ce qu'on se retrouve chez nous? Hey Tim, it's Dew. Ah merde, on se retape le même message. What's up with you, man? I haven't seen you in ages. Hope you're doing well. Call me back so I know you're not dead. Je crois que je suis en train de comprendre ce qui se passe. On a le journal de Jane, les crozes. Et je pense que Jane est notre femme. Parce qu'au tout début du jeu, on dit genre Jane, t'es passé où, un truc comme ça. Donc je pense qu'on joue le mari de Jane. Et là, donc, nous sommes chez nous. C'est ça, hein? Et donc, elle fait des rêves bizarres. Très bien. Ah! Qui a laissé un morceau de photo dans les toilettes? Et alors, qu'est-ce que c'est que ça? Je peux pas le prendre? Ah si. Piece of mysterious photograph. Bah écoute, je prends. Non mais dis donc. Oh oh oh, attendez, j'ai vu un truc qui brille là. Oh! Oh là 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 là. Le talent! J'ai vu un petit truc qui brillait.
Je me suis dit, il n'y a pas de doute, c'est les clés. Putain, et elles étaient bien planquées, hein. Franchement, je trouve qu'on a été vite pour la trouver, hein. Allez, on va ouvrir la chambre de Jane. On va essayer de voir ce qui se passe derrière. Ouvrons ça. Oh, Tim, what are you doing here? What are you doing up so late? Oh, I'm just writing. Voilà Jane. Oh, yeah? Can I take a look? No, it's private. Get out of here. Okay. Well, it's time for bed. Is that Jane's diary? C'est le journal de Jane. Merde. Ah non, j'ai pas le temps de lire. Là. Est-ce que c'est lui? Merde, je sais plus. Merde, je sais plus. C'est bien parce qu'ils l'ont représenté de forme réelle sur les photos. Une bonne idée, ça. Ça mélange le réel et le jeu. La porte dans la chambre, tu ne peux pas l'ouvrir. Bah non, j'ai essayé. Oh, attendez. Oh. Jane? Je crois qu'on a trouvé notre porte de sortie, les roses. Jane, j'arrive. C'est Tim. Ok, on va rebasculer dans l'horreur, du coup, j'imagine. C'est la Twitch quality, exactement. Ah! Putain, nous revoilà. J'allume la lampe. Et c'est parti. Donc là, ce qu'on doit faire, tout simplement, c'est aller... Jane! C'est you? C'est aller secourir Jane, les roses. Sounds not coming far from here. Et c'est ce qu'on va essayer d'aller faire. Alors, gauche ou droite? J'ai bien envie de dire à gauche, mais c'est très bien ce qui se passe quand on va à gauche. Hein. Bon, bah allons à gauche alors. Donc là, on est sous la maison. Il y a des bruits bizarres dans les tuyaux là. Tout va bien. Oh oh. Bon alors là en fait ce qui m'inquiète c'est que je ne connais pas du tout à partir de maintenant. Je sais pas ce qui va se passer. Donc ça me rend un peu anxieux. Un peu comme Araya à l'époque quoi. Une porte en bois. Cucu. Oh. Putain, on est dans une cabane là. Journal de Jane le 2 mai 2013. Donc c'est le plus récent jusqu'à maintenant. Ça ne s'arrange pas. Je fais des rêves bizarres. Ah, elle rêve d'une vieille maison. D'une vieille maison en bois. Mais putain, on y est. On est dans son rêve. Je rêve d'une vieille maison en bois. Avec... Quoi ? Avec cette ombre creepy outside à l'intérieur? Non. Je n'ai jamais vu quelque chose de si grand avant. Ça doit être un cauchemar. Back to my chambre. Qu'est-ce qui m'arrive? Oh oh, les creuses. Vous avez lu, hein. Vous êtes pas bête, hein. Cabane en bois. On est dans une cabane en bois. Ombre dégueulasse, flippante, gigantesque. À l'intérieur de la cabane en bois. Bon. Bah rip, hein. Oh là là, regardez-moi ça, là. Oh putain. Ah, j'aime pas. J'aime pas l'ambiance. Ok. J'aime pas cette ambiance, là. En plus, il n'y a pas de casier pour se planquer. Laisse tomber, hein. Une photo. Un groupe de jeunes. Très bien. Nous pouvons zoomer sur cette magnifique photo. Est-ce qu'il y a quelque chose derrière? Non. Un groupe de jeunes, très bien. Ok. Ah, ici. Putain, j'avais pas vu. Oh non, faut un code.
Bienvenue Xia TV, bienvenue. Oh putain, il nous faut un code. Ok. Un code à 3 chiffres. Alors après, c'est peut-être avec ses épingles, mais ça... Ok, c'était ça. C'est le nombre de... C'est pas du tout des épingles, c'est des traits à la craie. Ok, donc on a... Donc ça fait 1, 3... 1, 3, 8. 1, 3, 8, c'est peut-être ça. On va tester. Yes! Oh putain. Et on fait gaffe à l'ombre gigantesque, hein. Creepy, hein. Attention. Je rigole pas avec ça, moi. Oh putain. Et à peine je me lève, il y a un bruit, c'est abusé. Je vais rester comme ça, je crois. Bon, les loups, on va se calmer, là. Putain, l'ambiance est terrible. Ok. Oh putain. Oh putain. Attendez là. Est-ce que vous avez vu là? J'ai vu un truc partir, une espèce de forme bizarre. C'est des yeux. J'ai pas vu que ça avait des yeux, je sais pas, j'ai... Oh, vous voyez ? Regardez. Oh, c'est des goules. Ouais, non, c'est des Gollum. Ça ressemble à Gollum. Non, on dirait le. C'est quoi, c'est The Descent, le film The Descent. Je sais pas si vous l'avez vu. Le film The Descent, les crocs, c'est exactement les mêmes trucs. Bienvenue Venon Zedon 51, bienvenue à toi. The Yasatorn Police Radio Station reports that the chief policeman has planned to arrest all the speeding bikers on Yasatorn State Highway. The police claims to have captured more than 10 bikers. On est revenu là. But some fled the scene, which includes Mr. Pichai Menapable, a suspect from the motorcycle robbery, and believed to be the leader of this gang. We'll keep you posted when we receive further notices on this. This is Sisuk Hongsawat reporting. Alors, attendez. The Yasatorn Police Radio Station reports that the chief policeman... Donc la radio reporte que le chef de la police... a planifié d'arrêter tous les bikers, tous les bikers, les mecs à moto, tous les motards de la ville de Yasatorn. La police dit que... Ah, ils ont capturé 10 motards. Bon, en gros, ils arrêtent des motards, je sais pas trop pourquoi. Une histoire de gang. Ok. Très bien. Bon. Alors, on a effacé les traits à la craie, ça c'est pas bien ça. Monsieur les Gollum. Oh, putain, je suis en train de flipper là. Est-ce qu'on peut allumer la lumière? Non. Ok. Bon, il y a un étage. Ah, le chef de la police a capturé 10 membres du gang, mais pas le chef, d'accord. Muy bueno. Hop. Jesus. What the fuck is that? Oh putain. Oh. Oh, je suis désolé pour le cri. Hein. Oh la vache.
Je m'attendais tellement pas à ça. Ça m'a tellement surpris, putain. Là, c'est chaud. Là. Attention. Un cri tellement masculin, c'est magnifique. Arrêtez de vous moquer, les creuses. Je vous permets pas, ok? C'était un croc. Ce n'était qu'un croc. Tout va bien. Allez, il faut que je reprenne mes esprits. Tout va bien. Nous sommes dans une charmante... dans une charmante... cabane en bois. Oh putain la vache. Non, c'est bien fait, franchement, c'est bien foutu là. Allez. Allez. Pourquoi ils ont foutu un balcon ici? Pour rien, c'est de la merde. Ah, c'est peut-être le repère des motards. Attendez, je suis en train de m'imaginer un scénario dans ma tête, là. Cette cabane est peut-être le repère des, du gang, en fait. Tout simple. Oh, oh! On m'a enfermé. Je peux plus sortir, les creuses. On m'a enfermé là-dedans. Non, 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 déconne. Arrête! Je m'en fous, je me mets en PLS là-dessus. Sur ce matelas. Derrière le ventilateur. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Hein? Bon, les gollums là. Ils vont se calmer, hein? Ah oh, putain, on est encore enfermé. Bon, on doit aller sur le balcon. Ah d'accord, un balcon qui s'est transformé en. En souterrain. Très bien. Ok, il y a un bruit chelou à gauche. Putain, mais dis pas qu'on... Ils ont l'air gentils. Ah oui, ils ont l'air gentils. Hein. D'ailleurs, j'aimerais bien aller les caresser. Putain. Eh, les bruits sont extrêmement bien faits, c'est hallucinant. Dolby Digital 3D, les creuses. Incroyable. J'ai l'impression d'y être. Mais pourquoi avoir des... pourquoi avoir foutu des bougies ici, quoi? Attention, les gollums! Attention! Mais non, être touriste en Thaïlande, ça a l'air cool. Je vois pas pourquoi vous dites ça. Ils veulent un câlin, Toshi. Ah, je vais leur donner un câlin, moi. Tu verras. All of you, please listen. When you've done unkind things to others, either to family or friends, when you badly hurt those who are kind to you, when you commit crimes, when you cause others disturbances, karma will be facing you when you pass away. Once the karma is done with you, you'll be reborn as a ghost, drawn in wonder to all the places you were once seen, lost in the eternal limbo. All of you may be aware of the screams which can be heard in the distance at nightfall, the sound made by a creature with a mouth as small as a pinhole. Unable to feast, unable to go, wandering around. Oh putain, je l'ai coupé net le mec. Aucun respect. Ça parle de karma. Ça parle de karma. Ok. Je connais le karma. Faire très attention avec le karma, les creuses. Oh, ok, il y a plusieurs étages. Oh, ça c'est pas bon ça. Ok. En bas ou en haut? J'ai bien envie d'aller en haut parce que. Je sais pas. Mon instinct me dit d'aller en haut. C'est quoi ce grognement là?
On se met en position accroupie. Derrière la poubelle. C'est bon, y a rien. Sa bite. On voit ses couilles. Yes. Oh putain. Oh yes. On l'a fait. Quoi? Hey, le screamer le plus rapide du monde. Enfin, la poursuite la plus rapide du monde. Oh, ils sont cons, putain. La petite course-poursuite qui dure 2 secondes. C'est génial. Ok, bon, au moins c'était rapide. Oh là là, qu'ils sont cons. Bon, on va descendre du coup. Ok. Bon, il y a encore une fois plusieurs étages. Jane, oh. I'm coming. Ok, on a des clés. Police station 1FK. Hein? Me dis pas qu'on est dans un commissariat là. Commissionnette duty officer's note. I got to get to the... Ok, il a mis une clé dans son bureau. Alors. Jane's voice from the 3... Ok, ça vient du 3e étage. Allons-y. J'arrive, Jane. C'est pas dans Tarzan qu'il y a Jane, je sais plus. Je sais qu'il y a une Jane dans un Disney. Je crois que c'est Tarzan. Allez là. Oh! Bah alors? Ah mais non, on y est au 3e étage. Mais c'est quoi ce bordel là? C'est ici? Ah, un F, c'est one floor, quel con. Ok, c'est une clé pour le premier. C'est bon. J'avais pas lu. Ok, on y est là. C'est là. Voilà. Gollum. Ok, Gollum. Pas de soucis. Je vais attendre. Désolé. Mais mets le verrou la prochaine fois, putain. Ah, oh, saloperie de Gollum. Le con. Bon, du coup, j'ose plus... Faut que je toque à la porte avant ou... Ah putain! C'est tellement vide, putain. J'ai vu un truc là. Pas très bon ça. Pas très bon. Ah! Ah! Oh! J'en reviens pas, il y a un code ici. 819. Retenez les crosses. 819. Je vous fais confiance. Hein. Avec un... Je sais pas, il y a un dessin avec une boule, là. Il y a une flèche qui va vers le haut et une autre vers le bas. 819. On retient. Oh non, mais non. Oh. Il était juste là. Putain, j'en reviens pas. C'est pas possible. Yes. Putain. Putain de clé de merde. F03, floor 03. Yes!
Oh putain, eh, c'est, ça c'est de l'énigme, hein. Attention. Hein. C'était limite là. Pour mon cerveau, c'était limite là. Je crois qu'il veut pas qu'on passe par là. Ah, donc le raccourci sert à ça, bien sûr. Allons-y. Ça aurait été un blocage de courte durée. Allez, ouvre-moi ça, saloperie. Jane. Oh, Jane. Jane. Oh, Jane. Jane. Is that Jane? Follow her. Follow her. Nous allons la follow her. À chaque fois, elle se retrouve dans un endroit étrange. Encore et encore. Elle prend des médicaments pour essayer de dormir mieux. Waouh. Et de plus faire de ces horribles cauchemars. Ah, elle a entendu un bruit. Ça doit être des rats à l'intérieur. Elle entend des bruits bizarres. Ok. Ah, il est tard, les crozons. Il est très... Oh non, le revoilà, lui, c'est une blague. Casse-toi! On avance. On est chaud! Ça va être compliqué, putain. S'il reste là, ça va être compliqué. Voire même impossible. Ah, ok, ici. Coucou! Non! La porte est là-bas. On peut le faire. La porte is here. Est-ce qu'on trace? Oh! Yes! Attention. Putain, c'est quoi ces couloirs de merde? Coucou! Oh, Jane! Jane! Bien entendu, Jane n'est plus là. A Preta is a soul de nana, spécial édition. Ah. Put food on the tableware, put a scented stick on nana. Qu'est-ce que c'est que ça? Preta, je sais pas ce que c'est. Jane? Elle est là-bas, on y va. Jane? Tim! No! Don't follow me! Jane, it's me! Keep away from me!
Oh. Oh. Oh merde. Ah mais c'est ça le Preta. Ah, il faut lui offrir une offrande. Oh, ma petite Preta, tout va bien se passer. Ma petite Preta. Oh putain. Oh merde. Ah, faut que je me cache en dessous. Et il va essayer de prendre les tables. D'accord. C'est à moi de faire attention. Là. Cupboard key. On a une clé. Yes. Ok. Ça doit être la clé de cette porte. Ah, nique ta mère. C'est bon. Ok. Des offrandes. J'ai dit des offrandes. Oh, il y a des cadenas, putain. Yes. Ok. Incens. De l'encens, c'est nickel. Est-ce que je peux ouvrir le deuxième? Non. Il va me falloir une deuxième clé, les crocs. What? Je suis grand pour sortir, moi. Oh putain, il va falloir que je trouve une pince. C'est bon. Bon, il faut qu'on trouve la deuxième clé, ça va pas être simple. Je dirais qu'elle est là-bas en fait. Ouais. Elle est là. Oh putain, on a les deux clés. Ok. On a tout. On a tout. Je crois. Je crois. Je sais pas. Je pense qu'on a tout. Et maintenant le truc, ça va être de retourner à la table. Souhaitez-moi bonne chance, hein. Non, parce que là... là j'en aurai un peu besoin, les crozes. De chance. Oh. 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 Yes. 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 Oh putain.
Where did she go? On l'a fait. Jane is here, find her. Find her. Ok, Jane. Jane, peu importe. Je vais te trouver, saloperie. Oh. Ok, la meuf elle est somnambule. Tout va bien. Fais gaffe. Oh, on va retourner dans la maison. On va retourner dans la maison. Ah, on va retourner dans la maison. Eh ouais. C'est bon. Oh là, il fait tout noir, il n'y a plus d'électricité. Ok, donc de retour à la maison. Again? Home again. Eh ouais, mon pote. Je... She's still there. Jane est toujours là. Get her out. I need to get out. Bienvenue Wenor. Bienvenue Wenor. On va essayer de continuer un petit peu quand même, on va... Oh non, pas dans la douche. Vous avez entendu ce rire? Putain. Fermé. Attendez, est-ce qu'il y aura un message? Pas de message. Encore le cadre qui est... Oh putain, il y a des traces noires dessus maintenant. Il n'y en avait pas tout à l'heure. Oh, putain, mais c'est le bordel! Il faut arrêter le saké. Hein. Putain! C'est le bordel! Mais en fait, j'avais pas vu, c'est le bordel là! C'était pas comme ça tout à l'heure. On va monter à l'étage. Ouais, non. Attention. Chambre de Jane. Fermée, bien entendu. Ma chambre. Ah ouais, non, non, c'était pas comme ça tout à l'heure. Oh, le bordel. Oh putain, il y a encore un bruit d'enfant derrière moi, j'aime pas du tout ça. J'ai entendu un bruit d'en bas. J'étais à la maison, enfin moi, Tim, j'étais à la maison. Mais il n'y avait personne quand j'étais là. Et comme par hasard, on entend des bruits de, d'enfants. Putain, j'aime pas ça, là. Vu comment les animations du jeu sont très bien faites, on a eu la preuve avec les Gollums tout à l'heure, je mettrai peut-être pas ma main à couper qu'il y ait un petit enfant qui se balade dans l'appartement. Oh, putain. Vous avez vu le ballon? Je vous jure, s'il y a un gosse qui traverse la pièce comme ça, j'arrête. Hein. Ok. Vous avez entendu encore? 74, 72, 71, 70, 69, 68, 67. Putain, c'est un décompte! Je vais mourir! C'est un décompte la télé! 60 secondes! On a 60 secondes pour faire quelque chose. Vite! Tac, 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 salle de bain, PQ, non. Douche, non. Ok, on n'a pas besoin de PQ. Ok, ici, c'est fermé. Ok. Ici, il n'y a toujours pas de message. 45 secondes. On va mourir. 40 secondes. 38, 37. Oh putain de merde. Change de chaîne au pire. Change de chaîne. On peut pas débrancher la télé là. Attendez, what? Pourquoi il y a eu le bruit de follow alors qu'il n'y a eu aucun follow? Oh putain, mon PC est hanté. Ou alors le son venait du jeu, mais il y aurait une chance sur un million que ça se produise. Hein. Très bizarre. Ah, le chiffre s'est arrêté à 13. Ça s'est arrêté. Je peux pas retourner là, je peux pas retourner en dessous des escaliers, les creuses. Il y a de l'eau qui coule. Bon, ça va, il s'est rien passé. Alors, par contre, ce qui est très bizarre, vous avez entendu le bruit du follow, là? Le bruit du corbeau? Vous l'avez entendu?
Et le pire, c'est qu'il n'y a pas eu de follow. Donc je comprends pas, là. Vraiment, je comprends pas. Ça me fait flipper, ces conneries. On va monter à l'étage. Arrête tes conneries, là. Eh, je veux pas de gosses dans mon appart, moi, je te le dis. Ah, attends, ça fait flipper, là. On entend même ces bruits de pas, ouais. Arrête. Putain. Oh, putain, la porte s'est ouverte, là. Vous avez entendu? Oh, regardez, le meuble s'est déplacé, là. Putain, il y a tout qui change. Ici, ça s'est ouvert. Ok, bon. Téléphone? Téléphone, putain. Le téléphone sonne, les crozes, on y va. Et là, la voix de l'enfant. Bizarre, cette pièce est toujours fermée, on sait pas ce qu'il y a derrière. Très bien, bon, on va le savoir tout de suite, elle vient de s'ouvrir toute seule. Ah mais c'est notre bureau, je suis con, on était déjà venu ici. La contact list, ouais, ça on sait. J'ai trop peur de voir un bébé sur... Putain, les livres étaient en lévitation, c'est quoi ce bordel? J'ai envie de sortir de l'appart. Je vous jure, j'ai envie de sortir de l'appart. Ok, il y a l'eau qui coule ici maintenant. De mieux en mieux. C'est qui va payer les factures, enculé ? Putain, du PQ sur la table de cuisine. On aura tout vu ici. Peut-être que les tailles se frottent les mains avec du PQ, je sais pas. Bon, on va retourner à l'étage... Une dernière fois. Il y a une porte qui a claqué, je sais pas laquelle. Je suis en stress. Hein. Putain. Ah mais il y a une photo là. Putain, je peux pas ouvrir le rideau. Il y a une photo derrière le rideau là. Je peux pas la prendre. Oh, la porte s'ouvre ici. Tim. Ouh. Tim. It's in the corner. It's right there, Tim. Jane, there's nothing there. Is nothing there, Jane. Regarde, je vais ouvrir la porte. Is nothing there, Jane. Eh, hey, Cross, faut que j'arrête là. Je vais mourir là. Arrêtez. Oh là 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 là, c'est quoi ça, putain? Allez, on m'enferme là-dedans, mais oui! La photo! La Shit! Ok. Eh! Honnêtement, ce jeu, il est bon, hein. Jane, come here, my baby, there is no. C'est rien, Jane, viens! Viens! Tiens, je vais mourir regardant mon objectif. Non, mais tu sais, c'est mes doigts quand j'ai peur. J'appuie un peu n'importe où.
Bon, les crows, je crois que j'ai vraiment arrêté là. On aura fait la petite partie de l'appartement. Ça aurait été très flippant, putain de merde. Moi, je suis chaud pour continuer, je vous le dis. Je suis chaud pour continuer, dites-moi. Et moi, je suis chaud. C'était stressant, là, ce passage-là, putain. Il est pas 23h. Si, il est 23h, là. Ah, regardez-moi ça. Nous retournons. Je sais pas où. Avec nos amis les esprits. Bref. On s'arrête vraiment là cette fois avec Rose. Je laisse du suspense pour la prochaine fois. Vous avez l'air de vouloir qu'on continue cette aventure. Du coup, on va la continuer. On va s'arrêter là. On va se mettre là tranquillement. Et puis donc on continue les crows, on continue cette aventure le plus vite possible. Je vous tiens au courant sur Twitter et Facebook encore une fois. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter surtout, je suis très souvent sur Twitter. Donc on continue. Donc c'était la première partie, il y aura une rediffusion sur YouTube dans les prochains jours. Encore une fois, je vais vous faire un montage assez propre. Et enlever les moments chiants là où on a bloqué, par exemple. Donc, rediffusion prévue d'ici 1-2 jours. Vendredi 13. N'oubliez surtout pas, vendredi 13, The Evil Within 2, les crows. Retenez bien. Gravez-le sur la paume de votre main. The Evil Within 2, vendredi 13, dans 2 jours. Je veux vous voir tous ici. Parce que là, attention. Castellanos, il rigole pas, lui. Hein. Faut pas être en retard avec lui. Hein. Sur ce, les crows, je vous laisse là. Merci de m'avoir suivi ce soir. C'était très cool. Merci aux dons. Merci énormément aux dons. Merci pour votre générosité. Merci aux nouveaux follow. Moi, les crows, je vous souhaite une très bonne nuit. A très vite. Je gère le Discord au passage. Je vais aller y faire un petit tour et changer le bordel, là. Bonne nuit, les crows. Je vous fais plein de bisous.